ladies and gentlemen, and welcome at the Annecy International Animation Film Festival. Bienvenue au Festival International du Film d'Animation d'Annecy. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette sixième séance de la compétition officielle de long métrage. Ce soir, vous allez voir The Wonderland, en français le titre est Le Royaume sans pluie, on dirait Annecy. Donc, The Wonderland, Le Royaume sans pluie, de Keiichi Hara. Keiichi Hara est un réalisateur qui est un grand ami d'Annecy, deux fois primé pour Colorful, puis pour Miss Okuzai en 2015. Alors, je l'invite à me rejoindre, mesdames et messieurs, monsieur Keiichi Hara. Et sa productrice, Shuko Takahashi. Alors, monsieur Hara, nous nous sommes vus à Tokyo il y a 2 ans, et c'est alors que vous nous avez présenté ce projet, Wonderland. Et nous nous sommes dit à ce moment, ce serait bien que le film soit à Annecy en 2019. On vous remercie d'avoir tenu parole et d'offrir le film à notre public ce soir. Merci également. Avec Miss Okuzai, vous êtes adressé à un public adulte. Avec The Wonderland, il semble que vous reveniez à un cinéma destiné à un public plus large, plus familial. Est-ce que c'est vrai? その通り. Oui, tout à fait. 今回はたくさんの子供から大人まで楽しんでもらえるエンターテインメントのファンタジーを目指しました。 Alors, cette fois-ci, j'ai vraiment essayé de réaliser un film de divertissement fantastique qui est destiné à tout public, y compris les enfants et les adultes. Vous avez collaboré pour ce film avec un illustrateur d'origine russe qui est très connu. Comment s'est passée cette collaboration?僕は最初は彼のそのイラスト集を見て気に入ったんですけれど、その時もロシア人だとは思ってなくて、性別もわからなかったんですよね。だけどその絵がとても素晴らしかったので、お願いして初めて会ったところ、ロシア人の男だというところに非常にがっかりしました。僕はとても素敵なロシアの女性が描いていると思ったので。 Alors, je suis tombée par hasard sur un livre extraordinaire, un livre d'illustration, et à ce moment-là, je ne savais pas du tout que l'auteur était un russe. Donc, je ne savais pas du tout sa nationalité ni son sexe, juste simplement ses dessins m'ont beaucoup plu. Et lorsque je l'ai rencontré pour la première fois, et là, c'était une découverte, parce que c'était un homme russe, et en plus, un homme. Et du coup, j'étais très déçue, parce que j'espérais que ce soit une belle femme russe. Parlez-nous donc de, un peu de ce film de Wonderland, du scénario. Je sais que la scénariste, Madame Miko Maru, est dans la salle. La collaboration avec elle. あの、まあ、普段からパートナーとして一緒に暮らしている女性なので、
お互いにアイデアを出し合いながらあのプロットからシナリオまで作り上げていくというスタイルです。En réalité, donc, elle est ma partenaire dans ma vie privée aussi. Donc, dans le quotidien, on échange beaucoup d'idées et on travaille ensemble sur les traitements et sur le scénario. J'ai su tout à l'heure que le film allait avoir sa sortie en France le 24 juillet, c'est ça? C'est votre anniversaire, je crois. まあ、そうなんですけど今年その今年の誕生日を迎えると僕は60歳になるもう老人みたいな年になってしまうのであまりハッピーとは思っていません。Bon, en effet, le film va sortir le jour de mon anniversaire, mais je suis très gênée parce que je vais avoir 60 ans et cette année, c'est donc je suis un vieux, donc je ne suis pas très heureux. Bonjour, Angie. I am back. この映画にはとてもたくさんのヒントが隠されていて、特にあの注意して見てもらいたいのは、主人公のお母さんのほくろ、ほっぺたのほくろ、それと、主人公の部屋の、タペストリー、これをきちんと覚えておいてください。Alors, il y a plein de clés qui sont cachées dans le film. Donc, pour comprendre bien le film, donc, je vous donne déjà quelques indices. Et donc, il faut vraiment bien regarder les grandes beautés sur le jeu de la mère de l'héroïne et aussi donc, la tapisserie qu'on trouve dans la chambre de l'héroïne. C'est le climax de la monogatari, très important. Ces deux éléments sont extrêmement importants au moment culminant du film. Un demi, s'il vous plaît. My fridge is empty.世界が認めた原恵一監督最新作。誕生日の前日、自信のない茜が連れて行かれた世界は地下室の先のワンダーランド。この世界を救ってほしいのです。この春、一生に一度のスペシャルな誕生日が始まる。